Les projets Supply Chain et Systèmes d'information sont un projet pédagogique du Master Management des Systèmes d'information. Il consiste à étudier une problématique d'actualité dans le domaine des systèmes d'information ou de la supply chain, avec des séances régulières toute l'année et en forte proximité avec les entreprises. Sur un plan pédagogique, il s'agit pour les étudiants d'apprendre le management de projet par la pratique du management de projet. Un questionnaire est diffusé auprès de nos partenaires entreprises et analysé en cours. Les étudiants présentent les résultats de cette étude en fin d'année, au mois de juin, auprès d'un large public. Ils répondent alors aux questions des professionnels en tant qu'experts de leur thématique. Les témoignages qui suivent en sont quelques extraits. J'étais vraiment intéressée de venir à l'IAE sur cette conférence, dans laquelle plusieurs sujets abordant la supply chain, mais aussi les systèmes d'information étaient traités par des étudiants et non pas par les entreprises directement. Sur les points forts, j'ai déjà trouvé que les étudiants étaient très professionnels, donc de par la qualité de leur présentation au niveau des slides, au niveau de la façon dont ils pouvaient présenter, leur aisance face à une assemblée et lors de la conférence, et surtout qu'ils étaient déjà complètement dans le monde de l'entreprise. On aurait pu imaginer voir ce genre de PowerPoint et de présentation dans une entreprise. Les thèmes étaient traités en détail, approfondis, et surtout au moment des questions, j'ai pu voir que les étudiants savaient vraiment de quoi parlait leur sujet. J'ai été assez étonnée de voir que tous les étudiants avaient interrogé les entreprises, qu'ils avaient des documents et surtout fait des sondages auprès de ces entreprises pour étayer leurs propos. Ce que je voulais voir, c'était les niveaux de la formation aujourd'hui, ce que les étudiants apprenaient, les étudiants qui vont rentrer en entreprise demain, qui vont être moi, mes futurs clients ou mes futurs collègues, voir effectivement leur niveau d'information sur ces différents sujets. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins théorique que ce que l'on pouvait apprendre à l'époque de mes études. J'ai appris beaucoup de choses sur des exposés, sur des sujets que je ne connaissais pas. Et on sent que les sujets sont fouillés, il y a du contenu. Est-ce que ça peut être un point fort à mettre dans un CV? Très concrètement, oui. Moi-même qui rencontre régulièrement des candidats et qui n'ont pas été forcément confrontés à la problématique d'un projet, parce qu'au quotidien, et je pense que dans de nombreux métiers, on est confronté à mener des projets, à participer à des projets, je pense que c'est vraiment bénéfique pour les étudiants qui ont eu à mener ce projet. Le sujet était très intéressant. C'était intéressant d'avoir une analyse avec un retour au travers de son âge. Ça permet de les mettre en situation, en fait. Faire des projets comme ça, c'est des choses qu'on est amené à faire suivant les fonctions que l'on prend dans une entreprise. Ça leur permet d'approfondir un sujet. Et ça leur apprend une fois de plus à faire des rapports et surtout à faire une présentation comme celle d'aujourd'hui, qui c'est un exercice assez redoutable. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment été mis à l'épreuve et ça, c'est très intéressant également. C'est très bien, je pense que c'est un plus pour les étudiants. J'ai vu qu'effectivement, le niveau était élevé, qu'il fallait continuer à s'intéresser, à creuser les sujets, à rester pertinent. Les manières de présenter les sujets sont très agréables, c'est interactif. J'ai beaucoup apprécié cette soirée.